Bonjour à toutes et à tous, c'est Hichem. Aujourd'hui, je vous propose mon setup. Donc, je vais vous présenter tous mes appareils Apple et high-tech que je possède et que j'utilise au quotidien. On va commencer avec mon iPhone 5S qui est de couleur champagne et de capacité 16Go. C'est mon appareil Apple préféré et c'est aussi celui que j'utilise le plus, soit pour téléphoner, envoyer des messages, mais aussi prendre des photos, utiliser mes applications, jouer à des jeux ou regarder des vidéos. Malgré un prix assez élevé et des performances en dessous de la concurrence, pour moi c'est le meilleur smartphone. On continue avec mon iPad mini de première génération de couleur gris sidéral et de capacité 16Go. Je l'utilise comme mon iPhone 5S pour jouer à des jeux, utiliser mes applications, regarder des vidéos et c'est vraiment une très bonne tablette avec un très beau design et une très bonne autonomie de plus de 10 heures. Mais malheureusement, cet appareil a aussi des points faibles, notamment sa puissance qui n'est pas exceptionnelle, surtout au niveau des jeux vidéo, et son écran qui est de bonne qualité mais qui n'est pas Retina. Ces points faibles ont été corrigés dans la deuxième génération, mais il faudra débourser 100€ de plus, soit 400€, pour acquérir cette seconde génération. Au niveau des consoles de jeux, j'ai une PS Vita de Sony en version Wi-Fi 3G de couleur noire. Même si je joue surtout sur iPhone et iPad, il y a quand même des jeux sur PS Vita qui sont plutôt bien, comme le FPS Killzone Mercenary. Pour moi, c'est une bonne console portable, mais les jeux sont assez chers, et en plus, les derniers jeux sortis sur console de salon n'y sont pas disponibles. On va terminer avec mon ordinateur, qui est un HP Compact avec 6Go de RAM et un disque dur de 500Go avec Windows 7. Je ne m'en sers pas énormément étant donné que mon iPhone et mon iPad suffisent à la majorité des choses que je fais. Sinon, je m'en sers pour aller sur Internet ou pour utiliser des logiciels comme Photoshop pour faire des miniatures. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur geekswapple.com et dans une prochaine vidéo. Ciao !